La lecture et l'écriture sont les principaux moyens de communication dans un cours en ligne. Bien que certaines copies papier de manuels scolaires puissent être nécessaires, vous devez être à l'aise pour lire de nombreux documents sur un écran d'ordinateur et capable de taper. Certaines évaluations comportent des questions à choix multiples, mais bon nombre de vos devoirs impliqueront la rédaction de réponses courtes ou longues. Si vous tapez moins de 25 à 30 mots par minute, il peut être utile de pratiquer avec un logiciel de dactylographie afin d'augmenter le nombre de mots par minute.